Retour, épisode 25, je crois, de notre Survie Weekend. Boing, on prend ça. Un pot de lapin. On a combien? On a déjà ça. Il faut qu'on mange, mais j'ai envie de dire, est-ce qu'on a vraiment besoin de manger, de maintenir le 40 kilos? Honnêtement, je pense pas. Honnêtement. Je pense pas. Par contre, il faudrait juste voir un peu la chaleur. Est-ce qu'il fait genre très froid? Évidemment, il fait que très froid. Ok. Ok, on va prendre les pots quand même. On va faire des boissons. On va faire des boissons. Attendez. On a pas mal de torches et tout ça. Ça devrait aller. Je sais qu'à un moment ou un autre, on va devoir prendre une corde. Je m'en rappelle de ça. Donc c'est vrai que dans un sens, on devrait peut-être maintenir les 40 kilos. Ah, c'est embêtant ça. Ouais, on va peut-être maintenir les 40 kilos. Voilà, alors ça. On va se faire un petit feu. J'ai du bois ou pas? Ça va. Et foup! Ça m'embête un peu d'utiliser autant d'allumettes. Dernièrement, on a utilisé quand même pas mal d'allumettes. Mais bon, c'est pour le... pour des bonnes causes. C'est pas comme Come on, little si... fire. Après, on essaiera de limiter en fait l'utilisation des allumettes. On essaiera de limiter un peu ça. Genre quand j'irai chasser. Quand on sera retour au lac Mystère. Donc c'est notre but, hein, c'est de retourner au lac Mystère. Quand on sera de retour au lac Mystère, j'irai chasser genre plusieurs. Oing, plusieurs. genre cerfs. Surtout. Et je les cuirai tous d'un coup. Comme ça, on n'aura pas trop de problèmes par rapport à ça. On va juste manger quelques massettes. Ouais, je vais peut-être essayer de garder le 40 kilos. Le bonus. Parce que je sais qu'on a une corde à prendre. Je crois qu'on est obligé de la prendre, la corde, ou pas? Peut-être qu'on peut prendre sur le... Faut vous rappeler de la zone d'où je parle. Je sais pas comment expliquer. Il y a une corde après le tunnel. Genre, il y a le pont et tout ça. On avait pris la corde. Mais pour... En fait, on pouvait descendre. Mais pour remonter, je sais pas comment on pouvait remonter, en fait. J'étais pas trop sûr de ça. Enfin, bref. Ah, peut-être qu'on n'a pas besoin de la corde, maintenant que j'y pense. Ah, peut-être qu'on n'a pas besoin de la corde. Je crois me rappeler où c'est. Il y a un éboulement avec un train, avec un wagon plutôt. Et je crois que si on passe le wagon, on arrive à la zone en fait. Ah, peut-être qu'on n'a pas besoin. On va voir. En tout cas, on a mangé. On a un peu de calories de côté. Oh mon dieu, il fait très froid. Ah, c'est pas grave. On a le bonus, ça devrait aller. Faudrait essayer de pas oublier de boire le deuxième thé. Comme ça, on peut durer un peu plus longtemps. Je vous montrerai. J'ai l'endroit clairement en tête, mais c'est un peu compliqué à expliquer. Mais je crois que c'est pas loin d'ici en fait. C'est ligne droite. Je crois bien. Ah, au final, ça se passe. Au final, c'est pas très compliqué en fait pour aller à l'aéroport. Hein. Une fois qu'on connaît en tout cas. Enfin, quoi couille, ouais, en fait, c'est un peu comme tout. Hein. Tout est simple quand on connaît, évidemment. C'est pas comme si. C'est pas de la science, quoi. Dès qu'on connaît les lieux. Tout devient un peu plus simple, évidemment. Très bien.
Ah, je suis content, donc dans cet épisode on va sûrement rentrer, ouais on va sûrement avoir le temps, c'est que c'est du charbon ça. Sûrement le temps de rentrer au lac Mystère, et ça va être un peu plus cool, et comme ça j'ai hâte de pouvoir crafter donc les vêtements, le sac de couchage et tout ça, comme ça on n'en parle plus, ça sera fait, et après aventure aventure, quoi. Ça va être fun, fun, fun. Ah, qu'est-ce qu'on aura à faire? Donc comme j'ai dit en premier, donc ça sera le canyon. Mais on a plusieurs zones à faire avant le canyon. Donc je suis en train de me demander, est-ce qu'on fait on rush canyon? Ou alors on fait zone par zone jusqu'au canyon? Genre zone par zone, c'est-à-dire on les fait toutes entières, on va aux endroits les plus intéressants et tout ça, vous voyez ce que je veux dire? J'hésite encore en fait. Oui, voilà, c'est là. Voilà, très bien. Vous voyez, on n'a pas besoin de la corde techniquement. On n'a pas besoin de la corde, donc on n'a pas besoin de maintenir les 40 kilos. Bon, enfin, c'est pas grave. Du coup, j'ai pas vraiment besoin. Est-ce qu'on prend ça? On va le prendre, tu vois. Du coup, j'ai pas besoin de me réchauffer, mais bon, maintenant on l'a fait, donc autant boire. Ouais, très bien. On maintient la, la torche par contre, parce qu'une fois de la lumière, très tôt, surdimensionné. Pourquoi ils appellent ça un très tôt surdimensionné? Vous croyez qu'en anglais ça doit être pareil? Mais non. Très tôt. C'est quoi très tôt en anglais? Ou alors c'est... Enfin dans ma tête je pense que c'est plus un problème de traduction, mais... Pas sûr. On est à 39, ça va. On dépasse toujours pas les 40, c'est très bien. C'est peut-être le nom du pont en fait, et du coup en français ça fait un nom bizarre. Normalement on devrait avoir chaud là. Oh, la lumière elle a fait. La torche elle a fait un truc un peu bizarre. Voilà, parfait. Bah au final on a gardé les torches allumées très longtemps. Hein. Enfin quasiment tout le chemin, je crois que le dernier épisode c'était pareil. C'est la même chose, on a gardé des torches allumées tout le long. Ça c'était cool. Ouais ça si on peut faire ça plus souvent honnêtement c'est fun. Ça nous permet de bien avancer. Oh mon ce bruit quoi. Doucement, doucement. J'ai pas envie de me faire bouffer les fesses par un monstre dans les tunnels. Ah, je suis pas rassuré, hein. J'ai jamais regardé, là, dans les coins. Non, y a rien. Mais j'avoue que je suis pas rassuré, ici. C'est vrai qu'on avait trouvé plusieurs pieds de biche. J'avais oublié ça. Ramène à la maison du coup. 39,83, parfait. Cet endroit, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Comme ils sont grands, les tunnels, à chaque fois. Enfin, les... Bah oui, c'est des tunnels pour le train, quoi. Hop là.
Ça y est, on est revenu à notre zone. Yes. Bon, du coup, je crois qu'on n'a pas besoin de garder la torche maintenant. Même si on a froid, on se fera un peu violence. Quoique non, là on peut se réchauffer au camp. À la limite. Ah, il y a du vent en plus. Là, je crois. Alors attendez, c'est pas ouf. Voilà, tombe pas. J'aime pas. Le pire, je crois que c'est au canyon des cendres avec les... Comment ça s'appelle? Les ponts là qui arrêtent pas de bouger. Je crois que c'est le canyon des cendres qui a ça. Tellement une catastrophe ce truc. Quoi là? Ah, je crois savoir où ça mène. Je crois que ça fait le tour. Et après, il faut une corde pour remonter. Je suis pas complètement sûr. Mais... Là, par contre, on devrait arriver au camp. Par contre, ouais, il y a peut-être des loups qui sont revenus depuis le temps. Ça fait un moment qu'on est parti. Ouais, là, on est là. Ah, cool! Un bois pour... Yes! Très bien. Alors, par contre, est-ce qu'on peut... Je vais voir s'il y a des loups ou pas. Un loup là. Ok. Nickel. Nickel, nickel. Voilà, parfait. Parfait, parfait. Alors, on a récupéré donc ça. Donc là, comme j'ai dit, à la limite, on n'a pas vraiment besoin de manger maintenant. Proche de la... On est proche de... D'où on doit aller. On peut supporter le poids. Je voudrais bien... 30 minutes, 1 heure, 1h05. I'm gonna need to eat soon. Alors, est-ce qu'on a des choses à jeter? Est-ce qu'on... On dépose ça ou on le prend avec nous? Je dirais qu'on le prend avec nous, ça. Parce que ça va nous permettre de faire un arc, si jamais on a besoin. Par contre... Ah ouais, putain, ils sont... Excusez-moi. Ils sont à 100%. Putain. C'est assez impressionnant d'avoir des pieds de biche comme ça, à 100%. C'est même un peu étrange, honnêtement. Alors, je veux bien qu'on en trouve un, mais trois. Hein. 1,67. 3,90. Ça fait beaucoup de kérosène. Lui, il est quasiment plein. Je crois que c'est 4. Hein. Je crois que c'est 4 litres en tout. Ok. On va lui mettre en bois.
bois, des livres, ouvre-boîte, des livres, on s'en fout. À la limite, ça, on peut le déposer ici, du coup. Ça pèse lourd quand même. Je pensais qu'on y arriverait, mais c'est vrai qu'on est un peu lourd. Surtout que là, je viens un peu de m'augmenter avec entre le bois, le jerrycan surtout et tout ça. Je pense qu'on peut partir. Je pense pas qu'on ait besoin de dormir ou quoi que ce soit. Je vais juste regarder, est-ce qu'on avait laissé, juste 2 secondes, est-ce qu'on avait laissé des choses à l'intérieur, genre là-bas, là. Je sais que la... Alors, je sais que j'avais laissé ça, mais la plupart du temps, je laisse des choses là, mais je suis pas sûr qu'on les fait. Non, on avait tout fouillé, non, on est pas resté la dernière fois ici, juste double check pour être sûr. Non, on a strictement rien. Ouais, non, on va, ok, on part, par contre, il y a un loup, on va se le faire, hein, c'est pas grave, pas vraiment un problème. Alors... Alors, on est bon, on a rien d'autre à prendre, je suis en train de réfléchir 2 secondes, je crois qu'on a rien d'autre à prendre. Ouais, allez, c'est bon, on y va. On va laisser les allumettes. Ouais, c'est pas le truc. Alors, on a un loup. Alors, est-ce qu'il va vouloir combattre ou pas? Eh oh! Petit! Ok. Il y a un truc que je voudrais vous montrer, c'est ça. Voir si ça marche toujours ou pas. Alors, c'est de rentrer et de sortir des véhicules. Non, mais à chaque fois, faudrait qu'il reste près de nous. Quoi. Allez, reviens! Ok, il a eu peur. Ok, donc ce qui se passe, en fait... Bon, par contre, il va au mauvais endroit, c'est pas grave. Ce qui se passe, c'est que maintenant, on a un pourcentage un peu plus élevé de leur faire peur à grâce au... au manteau en fait de en ours, et je pense que chaque manteau en fait a un pourcentage, genre l'ours a son propre pourcentage, pareil pour le loup, etc, etc. Et si vous rentrez et vous sortez en fait d'un bâtiment, les loups perdent votre trace, et en fait il y a exactement la même chose quand vous rentrez et sortez d'un véhicule. Et du coup, vous pouvez complètement utiliser ça. Merde, il y en a un deuxième. Il est où? Ah, il est là. Voilà, parfait. Oh le bordel. On les rend fous. On les rend fous. Donc voilà, vous pouvez faire ça. Et vous pouvez rendre les loups fous. Qu'est-ce qu'il fait? Il est vraiment monté là-haut, putain. Vache. Fort. On l'entend encore courir. Faire un peu attention quand ils sont fous comme ça. Des fois, ils vous foncent dessus. Quand même. On a un autre. On va passer sur la gauche. Sinon, j'ai rien oublié parce que j'ai l'impression d'avoir oublié des choses. Non. Normalement, non. On a le bois, on a les... Ouais, on a les pots, là-bas. On va passer par là. Whoa.
Pour le froid, la limite, ce qu'on va faire, c'est faire un arrêt dans les wagons, en plein milieu de Muskegmorn. Mais je suis pas complètement sûr qu'on le fasse, mais... Quoique si, 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 on va le faire. Parce que... on va perdre trop de vie, sinon ça va être un peu la merde. I'm so hungry. Déjà que, voilà, maintenant on a faim. Ah, il est là-bas, lui. Déjà qu'on a faim, donc ça fait double... double perte de vie. Donc, ouais. Par contre, j'aimerais bien qu'il fasse lumière. Un bon soleil, comme ça on peut directement utiliser la loupe et pas utiliser des allumettes. Ça, ça va être... ouais, assez rare. Mais voilà, on va bientôt rentrer chez nous, tranquille. Bah au final c'est super... ouais, ça va, c'est rapide pour y aller. Hein. Je suis assez content de ça, pour le chemin vers l'aéroport. Ça c'est cool. Vraiment, vraiment cool. Oui, là je crois qu'on peut passer par le dessus. Pas de problème normalement. Voilà, ça n'a pas besoin de faire tout le tour. Très bien. Faire attention parce qu'il y a des loups ici aussi. Là-bas, il y a pas mal de choses aussi sur les côtés. On va pas y aller hein, parce que ça va pas vraiment nous apporter grand-chose. Mais j'avoue que il y a des coins à lapins. Ça, je l'avais déjà dit. Il y a des coins à lapins. Il y a des coins avec plein de champignons à récolter, des trucs comme ça. Donc c'est vachement cool. Aussi une chose, c'est que maintenant, quand on sprint normalement, ça dépend du terrain en fait. Si c'est vraiment très plat, genre une route, ça le fait pas. Mais la plupart du temps, si on sprint dans la neige et tout ça, on a nos calories en fait qui baissent beaucoup plus vite. Mais là non, parce qu'on a déjà faim en fait. Donc du coup, ça fait pas d'effet. Mais je sais pas si on perd plus de vie ou pas, ou ça va plus vite ou pas. Genre... le fait de sprinter se change en dégâts en fait, pas avec le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, c'est des questions comme ça. Hein. Questions. Ah non, le vent. Vous avez vu que le vent il soufflait de notre droite vers la gauche. Maintenant le vent il nous souffle en plein de face. Oh là là, c'est chiant ça. Vous voyez que les zones, elles sont jamais dans le même sens, en fait. C'est vraiment une catastrophe. J'en avais parlé, ça. Vraiment embêtant. Alors, le nord est jamais au bon endroit, et jamais au même endroit par région. Et des fois, il y a des zones qui sont même pas logiques, en fait, par rapport aux points cardinaux. Ça, c'est très embêtant, je trouve. Alors faire attention, je me rappelle qu'on avait vu un ours. Ah, mais il est là, il dort. Ok, le vent s'est calmé, très bien. Quoique non. Enfin, le vent s'est calmé avec le son, mais ça souffle toujours. Le temps que j'avais mis pour voir un ours dormir, c'était hallucinant.
Genre la première fois que j'ai vu ça et tout, j'étais tellement... tellement surpris, et il y a plein de gens qui me disaient « Non, mais moi je l'ai déjà vu, hein, plusieurs fois, hein, ça arrive souvent. » Ah bon? Moi j'ai jamais vu ça, j'avais jamais vu ça, que les ours pouvaient aller dormir en fait. Il y a que les ours en plus qui peuvent faire ça. Les loups le font pas, les loups sont toujours éveillés. Les élans, je crois, pareil, sont toujours éveillés. Et après, enfin, tout le reste aussi, c'est toujours éveillé, quoi. Ah là là, qu'est-ce que c'est chiant. C'est chiant d'être à contre-vent, là. Oh là là, c'est vraiment une catastrophe. Ça devant. Ah, yes, le vent a changé. Ok, très bien. Ouais, le fait de sprinter tout le temps, ça fait un peu de mal par contre. On va essayer de prendre quelques massettes. Je sais plus si on avait de la nourriture à la maison. Je crois pas. Hein. Je sais qu'on avait beaucoup d'eau, déjà, ça c'est déjà bien. Mais après... Merde. Allez, prends. Après, pour la nourriture, je crois pas. Chasser, mais bon, on se débrouillera, c'est pas grave. À la limite, peut-être qu'on peut dormir une heure dans le wagon s'il fait pas froid, mais ça m'étonnerait, hein. Je pense qu'on est obligé de faire du feu. Hein. Enfin, après, on a tellement de petits bois, on peut peut-être faire du feu, dormir une heure et faire cuire les machins, enfin, j'en sais rien, pour voir. Faire cuire l'été, enfin, faire bouillir l'été. Oh non, non, pas maintenant. C'est très étrange, il n'y a pas de bruit, c'est pas moi qui ai baissé le son. Hein. Là, on est d'accord qu'on est en plein blizzard. Hein. Et ça fait des années que c'est comme ça. Hein. C'est des années que c'est comme ça, où des fois il y a un blizzard, il n'y a pas de son en fait de blizzard. C'est très étrange. Du coup en fait ça nous casse en fait le... Comment dire... Le sentiment de... Tu sais, j'en avais parlé dans mes... Dans mes autres saisons. Ça casse en fait le... Comment dire... La peur en fait, le sentiment de... Il faut se bouger le cul, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et je trouve que c'est un problème. Genre on est pressé. Vous voyez, on a plus ce sentiment en fait dès qu'il n'y a pas le son. Du blizzard. Ça, je trouve ça un peu bête. Come on, little fire. Je trouve ça vraiment très bête. Je sais pas si on va avoir assez. En fait. Thank you.
Je sais pas, ouais, je sais pas du tout si on va avoir assez de bois. Il fait quand même très froid. Oh, ça devrait aller. Et du coup, le fait de pas être pressé, de pas se sentir pressé, en fait, c'est extrêmement, extrêmement dangereux, je trouve. Yes, c'est bon. C'est extrêmement dangereux parce que, en fait, on va rester dehors, on fait pas attention à notre vie, puis on gèle, simplement. Alors, je pense qu'on va prendre ces livres. 37 kilos, ouais, ça va, on va rentrer avec. Là, on a 2h40 de feu. Je pense que ça va, on va manger un peu de... On va dormir 2h. Parfait. Ok, le vent s'est calmé, j'ai l'impression. Ouais, il fait beaucoup moins froid. Est-ce qu'on dort un peu plus? Enfin non, il va bientôt faire nuit, donc autant partir et dormir chez nous. Bien au chaud. Je fais les champignons parce que normalement c'est ce qu'on trouve de plus, mais c'est vrai qu'on en a pas beaucoup. Enfin, après, je crois que au lac Mystère on en avait laissé. Mais les champignons, c'est un peu le truc qu'on trouve vraiment très 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 souvent. Comparé aux autres, donc ça devrait aller. Nickel! Regardez le froid. Nickel. Ça va être vachement bien quand on aura... Il y a un loup là, faire attention. Ah, il y a un ours là-bas aussi. Il y a deux ours du coup dans la région. En même temps. Intéressant. Intéressant. Pourtant la région elle est pas très grande hein, quand même. Mais ouais, si on a besoin d'aller chasser. Je me rappelle que je venais chasser l'ours ici souvent. Dans mes autres saisons, c'est ce que des fois je... Quand on était au lac Mystère en fait, et qu'on trouvait pas l'ours... Enfin d'ours au lac Mystère. Du coup je venais ici pour le chasser. Ça marchait très bien parce qu'ils sont souvent ou au début ou en fin. En fait, des rails. Donc ça c'était cool. Donc ça c'est vraiment vraiment sympa. Oh. Ah, je suis content. Content de revenir ici. Je vais pouvoir... bien avancer, tranquille, savoir où je vais, discuter tranquillement, pouvoir vous montrer des zones. Après, je dis pas que je connais les zones à 100%, hein, mais je connais tout le temps les endroits les plus intéressants en fait des zones. De toute façon, ce qui est le plus important, hein, c'est les zones les plus importantes, les grosses zones qui ont des objets et tout ça. Donc ouais, ça va être fun, ça va être cool. Donc j'ai hâte. On rentre. Je fais le sac de couchage avec le vêtement. Va me prendre... putain.
Ah, ça va prendre 30 heures, je crois, pour... Donc 30 heures le manteau. Et après... Après le sac de couchage, je crois qu'aussi le sac de couchage, c'est très très long. Ah putain, ah, je vais m'amuser. Hein. Je vais passer encore au moins 3-4 jours dans le jeu. Juste à craft. Parce que je peux pas tout faire en une fois, à chaque fois. C'est vrai que ça, c'est un peu vraiment le mauvais côté. Hein. Mais bon, après on aura fini... Ah merde, je crois qu'il y a un loup juste devant là. Hein. C'est un caillou, c'est un loup, ça bouge pas, c'est un caillou. Ah non, là par contre il y a un loup à gauche. Mais c'est un caillou sur les rails. Peut-être que si je me déplace à droite, il ne va pas me voir. Donc ouais, une fois qu'on aura fini ça, on n'aura plus rien du tout à crafter. Les seuls gros crafts qui restera, c'est les flèches et l'arc. C'est tout. Voilà. Ce sera tranquille, quoi. Ce sera vraiment, vraiment tranquille. Mais j'ai l'impression d'aller plus vite, hein, honnêtement. Faut que je regarde. Là, on est à l'épisode 25, je crois bien. Faut que je regarde dans mon ancienne saison, genre à quel niveau d'équipement j'étais au niveau à l'épisode 25. J'ai l'impression qu'on a un peu perdu de temps avec la nouvelle zone. Vu qu'on l'a un peu fouillé et tout ça, je pense que c'est plus du temps perdu, comme je disais. Plutôt que de l'avancement dans notre équipement et dans tout ce qu'on a, quoi. Mais je pense encore qu'on va assez vite. C'est un peu plus mouvementé. Donc ouais, ça c'est cool. On n'a toujours pas perdu de flèches. Je touche du bois. On continuera à pas en perdre. Enfin, quand je dis ça, les flèches, hein, je parle des têtes de flèches, hein, évidemment. C'est surtout les têtes de flèches qui sont importantes. Après, on peut toujours aller en crafter, hein, si on a besoin. Voilà, nickel. Nickel, nickel. Attendez, je vais juste voir s'il n'y a pas de loups qui traînent devant. Okay. Damn it. So hungry. Bah, du coup, on n'a qu'à poser tous les... Ouais, on a strictement rien. Pourquoi je me baisse à chaque fois? Pourquoi je me baisse? Ouais, on a strictement rien en nourriture. Donc voilà, les deux pots, c'est très bien. Ah putain, on en avait autant des pots de serre, j'avais complètement zappé. Ah, ça tue. Ça. Ouais, ouais, on a beaucoup de trucs. C'est cool. Très bien, les bois. Ah oui, les bois pour les flèches, on en avait plein. Et c'est vrai que même pour faire des arcs, en fait, on en avait plein. C'était plus abusé. Ouais, non, on a vraiment beaucoup de trucs. Ouais, on a vraiment masse de trucs. Ouais. Je peux pas voir les. Je peux pas voir leurs calories. Alors attendez, je vais juste faire un peu le ménage dans l'inventaire. Puis après, on va voir. Donc, ça, on garde. Ça, on garde. Ça, on garde. Ça.
Ok. Je vais déposer en fait ceux qui sont à 120. Ça, c'est le plus gros en fait. Très bien. Et ça, faudrait les boire en fait. Faudrait les boire parce que c'est un des, enfin les premiers qu'on avait fait là, tout ça. Donc notre cuisine, elle n'était pas très très haute encore. Donc du coup, ils sont pas au max. Ah putain, c'est la merde. Oui, c'est vrai que cet arc, il est. Comme ça, on va jeter celui-là. On va. Ah putain, ça vole. Il y a aussi une fâcheuse tendance, le jeu, là. Quand on déplace les choses, en fait, qu'on les met au ras du sol et qu'on les déplace, comme je fais là, comme ça, là. Des fois, ça épouse pas le sol, en fait, ça surplombe un peu et tout, et c'est très moche. C'est mieux de jeter directement. Le mieux des fois c'est de jeter tout simplement. Par contre là c'est un peu trop lourd, ça m'embête. Je voudrais poser des choses mais on est déjà plein. On verra. Ça, je les canne, ça c'est super important de le ramener celui-là. On va pouvoir remplir les lampes là. Enfin, on n'en remplira qu'une seule évidemment. Très bien, très bien. Il y a ça. Mais ben voilà, c'est nickel. C'est nickel, nickel. Est-ce qu'il y a un cerf qui se balade quelque part, ou un lapin, histoire de se faire à manger quand même? Ou alors, massette. Pour passer la nuit. Mais bon, j'aurais bien voulu... Vous avez vu, on a perdu quand même beaucoup de vie. Hein. Je pense qu'on va faire massette, en fait. Peut-être qu'on peut trouver des lapins là, à la limite. Et ça va être notre notre dernier épisode avant encore la petite pause. Comme j'ai dit, comme ça on pourra faire les vêtements et tout ça. Ok, on a deux lapins. What? Je suis nul. Nul complet.
accompli. Ah, j'ai hâte qu'on puisse se mettre à genoux, hein, quand même, accroupi. Hein. Est-ce que je tire plus haut en fait? Ouais. Toujours plus haut. Comme la musique. Voilà, très bien. Comme la musique, toujours plus haut. Je sais pas de quelle musique. Je pense que ça vient d'une musique, mais je suis pas sûr. Donc ouais, ça nous fera... Allez, peut-être dans les 1000 calories. Donc ça c'est bien. Très bien. Donc on va pouvoir manger ça. Et ouais, après j'irai chasser le gibier comme d'habitude et tout ça pendant que je crafte tout nos trucs. Je vais vous montrer avant, on va regarder vite fait encore une fois ce qu'on va crafter et tout. Puis après on mettra fin à notre épisode. On va devoir encore craquer une allumette. Ça fait beaucoup. Hein. Ça fait beaucoup. Un truc qui sera bien aussi, c'est que c'est vrai que des fois là, on est un peu obligé de vite cuire les choses. Parce que en fait, on peut manger que le gibier pour le moment. On peut manger que les cerfs, les lapins. Mais quand on pourra manger du loup, ça va être vachement cool ça. Ça va vraiment être vachement cool. Parce qu'on pourra faire des... Bah, comme j'ai dit, hein, les loups, hein, c'est facile à tuer. Puis les loups, ils arrêtent pas de nous suivre. Donc en fait, bah, on les fait venir juste devant la maison et on entasse les cadavres, hein, tout simplement. On entasse leurs jolis cadavres. On les dépose tous. Ça fait au moins... Allez, dans du 7 kilos, je crois, de viande à chaque fois. Et après, on fait tout cuire d'un coup, quoi. C'est magnifique. C'est magnifique pour la nourriture. On n'aura plus de problèmes, quoi. Et c'est ça qui est cool, c'est qu'à... Ah oui, non, ça, c'est du loup. Ce qui est bien aussi, c'est que là, on faisait des pauses parce qu'on trouvait des lapins. De temps en temps. Mais le truc, c'est qu'on fera des pauses aussi quand on trouvera... des loups en fait, et du coup c'est genre 7 kilos de viande d'un coup quoi, c'est... Ah c'est super. C'est vraiment superbe de pouvoir manger la viande de loup quand on veut. Vraiment 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 cool. Ça change la... L'aventure en fait, ça la rend encore plus fun. Que vous mangez sur le tas et tout ça. Perfect. Ouf, des gros lapins, tiens. Oh, gros lapin, ça. Je suis aveugle. Ah, ça nous aide à peine. Hein. Je sais pas si on a vraiment besoin d'un feu long, mais juste au cas où. Mais je pense pas. Insomnie guérie. Ça sert à rien cette ce truc. Ça sert strictement à rien. Bah tant mieux, hein, je vais pas me plaindre. Hein.
pas me plaindre. Ah, attends, on a 6 minutes. Et j'essaierai pour le prochain épisode de remonter notre ville, hein, parce que là je veux pas dire, mais on est un peu bas quand même. On est un tout petit peu bas. Nickel, nickel. On va faire cuire de l'eau, je pense. Du coup, l'eau, c'est quoi? C'était 2 heures, hein, c'est ça? 2 heures pile. Donc, ouais, c'est 40 minutes x 2, je pense. Donc, on va faire ça. Et on va dormir. Et avant ça, je vais... ce qu'on va crafter. Voilà, nickel. Pam, pam. Pam, pam. Donc ouais. Donc allumage de feu, 3,5 presque. Cuisine presque à 5. J'essaierai, je vais être honnête, je vais essayer de... d'avoir cuisine 5. Quand on reprendra le prochain épisode, je vais essayer, hein. Je promets rien parce que c'est même rien que ça, c'est quand même beaucoup. Mais c'est vrai que j'avoue que ça serait vraiment très très intéressant de l'avoir. Comme ça, on pourrait vraiment avancer, s'amuser, j'ai envie de dire. Alors, si les ours portent ça toute la journée, pourquoi pas vous? Il est lourd et encombrant, mais très chaud et incroyablement solide. Vous aurez du mal à courir, mais si ça se trouve, vous n'aurez pas à le faire. Donc, ouais, on va faire un deuxième de ça. Donc on va gagner à 2 degrés, ça va être cool. Très très bien. Ça, on garde le pantalon de combat, on garde le pot en serre. Il nous faudrait un deuxième sous-vêtement thermique. Peut-être qu'on en trouvera un jour ou l'autre. On a donc la sacoche. Donc on va en faire un deuxième, donc 30 heures. Ça va être fun pour moi, comme je le dis toujours, c'est vraiment vraiment fun. Et après, on veut, c'est là, le sac de couchage en peau d'ours. Ça va être bien, ça. Ça va être bien, 17 heures à peu près. Sinon, c'est combien? Ah, sinon, c'est super long, quand même. Ouais. Quand même super long. Et boyaux, par contre. Je vais peut-être avoir besoin de boyaux, en plus. Ah, mais c'est 2 fourrures d'ours. Ah, j'avais oublié ça. Ah, merde. Ah. Vous savez quoi? Je vais aller attaquer l'autre ours qu'on a vu à Muskeg Morn. Bah du coup, ouais, c'est pour ça que j'y allais souvent, en fait. Parce que oui, c'est 2 fourrures. Bah du coup, je vais peut-être faire en premier le sac de couchage, je crois. Parce que c'est le plus long à faire. Quoique non, c'est pas le plus long, c'est le plus rapide. Ah, je sais pas. Je sais pas. Mais ouais, d'accord, il nous manque une peau. Bah merde, alors. Yes. Ouais, j'avoue, j'avais oublié ce détail. Bon, c'est pas grave. J'irai, je pense, chasser un ours entre temps, parce que sinon, si on fait ça, on va en perdre encore au moins 2 épisodes. Puis après, il faudra attendre. Ah ouais, mais il faut attendre que ça sèche. Oh là là, oh non, ça va prendre tellement de temps pour moi. Oh, j'ai pas envie. J'ai vraiment pas envie. Oh, ça va prendre tellement de temps. Ah, si j'avais su, j'aurais tué l'ours avant qu'on vienne. Et après, en retour, on l'aurait prise. La peau. Enfin, bref. Ouais. Ouais. Bah, du coup, vu qu'il faudrait attendre, à la limite, ce qu'on pourra faire, c'est faire le sac de couchage. Et puis, on restera avec le manteau en peau de loup. Et un seul manteau en peau d'ours. Et on fera un deuxième manteau en peau d'ours plus tard.
Parce que sinon, honnêtement, on va encore... Enfin, personnellement, c'est moi, c'est pas vous. Parce que moi, je couperai. Mais je vais passer encore 12 jours là, quoi. Rien foutre. Ça va être trop lourd. Ah non, c'est trop chiant. Non, non, bon, je ferai le sac de couchage. Et j'irai chasser une ours. Allez, on va s'arrêter là. Ciao.